Salut à tous, c'est Daïka, j'espère que vous allez bien. C'est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'FM. Alors, on va essayer d'FM quelques petites choses pour bien comprendre le principe de la FM et vous faire une petite vidéo là-dessus, vu que j'aime bien m'atteler aussi à de la FM. Alors, on va FM aujourd'hui, c'est deux items pas de greffe, donc un petit peu différents. Donc, ils ont des jets différents, c'est des jets qui ont déjà été modifiés ou celui-là, je crois que n'a jamais été modifié. Et celui-là, si. Les deux ont été modifiés, je crois. Enfin, bref. Enfin, bon, des jets lambda, quoi. Ouais, s'ils ont été modifiés. Les deux. Donc, du coup, on va essayer de rattraper un petit peu tout ça. Et de faire des beaux jets là-dessus. Donc, c'est parti. Améliorer des bots. Revoici. Alors, on est parti avec ces premières bots. Hein. Donc, on va rappeler la recette dans le canal groupe. Voilà. Alors, on est donc sur du 158A, 60-60, 50 sagesse, 6 coups critiques, PM, 8 dommages, 12 soins, 20 PP, donc moins 6 à moins 8, moins 4 à moins 6, donc on va essayer de relever ça à 6 et 4, voire un petit peu moins si on a du puits. Les 20 de crit, les 15 d'opou, on va faire un peu abstraction, pardon, et les 7-7. Donc, vu que là il y a un 5 nœud déjà, on va déjà modifier cette chose. C'est parti. Alors, il y a. Oui, vu qu'il y avait un Nova Vita, forcément ça saute. Voilà. Donc, du coup, alors, hop, résistance feu, résistance terre, c'est parfait. On va prendre un petit Docrit par-dessus. Ah, ça passe pas top top. C'est bien 7 dommages ou j'avais dit ou 8? C'est 8 dommages, donc on va mettre ça à 8 tout de suite pour essayer de maximiser le jet. Ok, ça a l'air de passer pas trop trop mal. Ah, ça repasse plus. Alors on va essayer également de mettre des dopous. Les dopous c'est 15 ou 20? C'est 15 je crois. C'est 15 les dopous, donc on peut les laisser comme ça. Il y a encore de la marge. Alors, touc touc touc, c'est moins 6 de tac, donc on peut essayer d'en faire passer un, ça passe pas trop. Ouais, je pense que c'est bien aussi, dommage de pousser, on va essayer de les mettre. Donc les dommages crit, on va essayer de les maintenir à 18 pour l'instant. Pas l'air de passer. Beaucoup, tout ça. Ok. Il va falloir, je pense, un petit peu décrasser l'item, parce que là. C'est. Il n'y a pas grand chose qui passe. Alors. Oula, carrément l'échec du Dopu. Même une rune Dopu nous troll. Alors, ça ne passe toujours pas. Ok. Aha. Encore, raté. D'accord. On va essayer de mettre les résistances à 6 dans un premier temps, puis après on va essayer d'aviser. Alors, au-dessus, 47, 111, donc on va mettre un petit peu de pavis pour remonter. Ah, premier puits peut-être du jet. Non, raté. Par contre, on va essayer de le repasser, ce petit soin, pour essayer de mettre à 10 soins sur 12. Ouais, il passe en crit le soin, on a de la chance. Ah, il repart aussitôt. Et il repasse pas. Passe pas non plus. Ah, petite complication là. Oh là là, ça ne passe pas du tout. Mon dieu. Pourtant c'est 60 hein, le max hein, dans les caractéristiques. Voilà, on remonte la vitalité. L'avantage de ces items là, c'est qu'on peut utiliser les pavis et non les ravis, parce que les ravis coûtent, on va dire, assez cher. Voilà, qui est fait là, c'est plutôt pas trop mal. Alors les deux feux, encore un petit peu de vita qui part. Voilà, on va remettre un petit dopou. Et donc on va essayer de faire ça jusqu'à temps que, bah, que notre ami le PM veut sauter. Donc c'est pour justement essayer d'avoir le meilleur puits possible. Pour ensuite faire un bel over quoi. Donc soit un over vita, soit un over caractéristique, soit on va essayer. Enfin, vu que là j'ai deux bots, hein, ce que j'ai un peu aussi fait exprès, c'est-à-dire que je vais essayer de faire un over caractéristique et un over vita. Enfin, je vais essayer de faire deux jets différents
pour tout simplement voir un petit peu la diversité aussi du géant lui-même, hein, et puis aussi que ça soit que de toute façon je vais en vendre un vu que j'en ai deux, donc je vais forcément en vendre un, donc je pense que je vais revendre l'over caractéristique vu que je préfère avec ma team les over vita tout simplement. Donc je pense, enfin voilà, enfin déjà faut que j'arrive à faire les deux, ce n'est pas encore pour tout de suite. Dommages de poussée qui sont à 13. J'essaye de les maintenir, hein, également, mais c'est pas vraiment évident. Les dommages critiques ne sont pas trop et sont pas trop impliqués là dans l'FM pour l'instant, donc c'est plutôt sympa. J'ai pas forcément à trop les remonter. Donc je m'attendais à pire en fait, limite en termes de dommages critiques, quoique là il y en a deux qui sont partis. En fait, je crois qu'il faut pas que je parle des dommages critiques. Et ils ne partiront pas. Donc je clos cette parenthèse. Donc voilà, j'ai en tout cas vous, j'espère que ce que vous allez bien, que vous prenez toujours du plaisir à regarder mes vidéos. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous proposer du contenu. Ah! Je m'arrête parce que le PM a sauté, les amis. Ouais, et le jet n'est pas terrible, donc j'espère qu'il passe en crit, le PM. Allez, oh non. Il passe pas en crit, c'est dommage. C'est très dommage, ça. Donc ça ne sert limite à rien. Ouais, et puis le critique ne repasse pas, même pas du tout derrière. Donc là, c'est waouh. Là, c'est waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc je vais essayer de faire un truc un tout petit peu dégueulasse, les amis. C'est que j'essaie de ne pas ouais, le refaire, mais bon, là c'est fatal. Donc du coup, je vais le repasser. Ouais, moi, bon, deux soins. Oh, c'est dur. Il passe pas. Ah, il passe en crit celui-là. C'est déjà bien. Bah, de toute façon, je l'avais un peu trop bas. Le dommage. Enfin, la rune PM. Hein, il y avait pas assez d'items. Enfin, il n'y a pas assez de jet sur l'item, quoi. Clairement, il manquait beaucoup de choses. Donc ça m'aurait limite fait chier de l'avoir en succès critique maintenant, vu que bah, j'avais encore beaucoup de choses à remonter, quoi. Donc je préfère que limite que ça soit échec. Comme ça, j'oublie cette tentative et je décide directement en faire une autre. C'est beaucoup mieux. Comme ça. Alors, on va passer un petit dommage feu. Ok, un petit peu de crit, ça fait plaisir. Alors, maintenant, on va passer dérainer, ça ne passe pas. Pourtant 40, sur du 60, ça devrait passer, hein. Alors, on va faire comme ceci. Tac, tac. Le dommage critique qui saute. La J. Bon, bah du coup, je vais faire une petite interruption dans cette vidéo et on va reprendre quand j'aurai mon petit puits PM adoré. A tout de suite. Et nous voici de retour sur cette petite botte qui nous a fait beaucoup de caprices. Hein. Je suis resté longtemps avant d'avoir ça, le succès PM critique. Donc, j'ai pris soin de prendre avec moi un petit papier résumant pour les puits, parce que là, je détiens donc 90 de puits. Donc je note, attendez, je note pâte greffe, voilà. Alors je détiens 90 de puits sur un jet, on va dire plutôt pas mal. J'ai pas grand chose à faire sur ce jet, donc je pense tenter l'over. Donc je vais déjà commencer par un dommage feu qui a donc un poids de 1, non de 5, pardon. J'étais en train de raconter n'importe quoi. Il passe, donc je suis. Oups, excusez-moi pour le petit bruit, c'est le fil du casque qui s'est empêtré. Alors, je suis donc à 85 depuis, après ce succès critique sur. Non, j'ai pas un succès critique, c'est un succès normal sur ce dommage feu. Je vais ensuite maintenant passer aux résistances neutres pour les mettre à 7. Elle passe, donc une résistance c'est 5 aussi je crois. Attendez, je regarde sur le site qui va bien. Repère d'ancien poids de 6, donc j'en suis déjà à 79 depuis.
puis ça passe. Donc j'en suis donc à 79 moins 6, j'en suis donc à 73. Et est-ce que ça va passer? Oui, ça passe. Donc là j'en suis, pardon, à 67 depuis restant. Ok. Donc là c'est bon, la PP je m'en fous. Attendez, juste une plus 10 caractéristiques, je sais pas combien, je pense que c'est 10. Ouais, un poids de 10. J'entends peut-être une en intel. Ouais, elle passe. Ah, 100 en succès critique, donc le puits n'est pas modifié. Ça c'est ce qu'il faut savoir aussi. Donc ça c'est cool, maintenant je vais passer donc les crits. Échec, donc une rune crit, c'est 5 aussi, je pense. Ah, le site ne le précise pas. Ou alors j'ai mal vu. Alors attendez, je vais juste rechercher pour vraiment pas faire de bêtises, hein, vraiment être précis. Poids, rune, dommage, critique. Alors, je vais chercher ça sur le forum. C'est 5 également. Donc là, j'en suis donc à 67 moins 5. J'en suis donc à 62. Oui. Oh, j'hésite. Ça passe pas non plus. 62 moins 5, j'en suis donc à 57. Allez, j'en tente une dernière. Ah, elle passe. 52. Ouais, j'en tente une dernière. Passe pas. 47. Je tente 20. Ah, j'ai envie de tenter 20. Passe pas non plus, purée. 42 du coup. Ah, ça passe pas. 37. Allez, j'en tente vraiment une dernière. Ah, ça passe pas. Passe pas, j'en suis à 32. Ah, c'est moyen, c'est très moyen. Donc du coup, bah, je vais tenter de l'Overvita. Donc j'ai 32 depuis, donc je peux passer 4 runes normalement. Elle passe pas non plus, décidément. Donc c'est une rune de 7,5 de puits, si je dis pas de bêtises. Donc attendez que je vais sortir la petite calculatrice. Donc j'étais donc à 32 puits, pardon. Moins 7,5, ça me fait du 24,5. Ok, donc il me reste encore du puits. Ah, elle passe pas non plus. Donc j'en suis encore à moins 7,5. Donc je peux encore en passer 2 théoriquement. Ouais, je peux encore en passer 2. Il y en a au moins une qui passe. Ouais, échec. Et la dernière. Ah, elle passe. Oh, enfin. Un petit succès quand même. Donc j'ai un over de 17. Bon, c'est pas super terrible, sachant que j'ai même pas les 20 d'ocrite, mais il passait pas en fait. J'aurais dû mettre à 17, mais bon, c'est mal tombé. Tant pis, mais en tout cas, voilà pour les premières pas de greffe, pour les premières chaussures pas de greffe, donc qui sont Overvita avec les 8 dommages. Et je vais maintenant passer au commencement des secondes qui était déjà over Intel avec un très beau jet d'ailleurs, vu qu'il y a déjà les 20 d'ocrit et les 7. Et ce qui nous manque, nous, c'est le petit dommage R. Donc on va essayer de le faire passer. Il peut passer en critique, donc il a une chance sur 5 de passer en critique. A raté. Raté, mais je trouve quand même. Bah, le G est quand même over. Hein. Donc je pense que je vais limite le laisser comme ça, parce qu'il est assez bien. Il n'y a que 5 soins, donc c'est limite pas une trop pour soigner. Mais en tout cas, il est très bien comme ça. Donc en fait c'était juste pour faire une toute petite retouche le deuxième. C'était pas vraiment quelque chose de super super important. Mais en tout cas voilà, je le préfère avec les 8 dommages. C'est tout de suite mieux quand même comme élément. Donc vous voyez la première, un over de 17. Bon, c'est pas vraiment ce que j'atteins vraiment le plus en termes de FM, mais bon, il est quand même très sympa. Hein, il est quand même très sympa. Le jet est vraiment stylé.
Sinon, tout à l'heure, j'avais fait une petite bague Lawson over de 25. 275 au lieu de 250. C'est toujours très très appréciable. Avec les 12 dommages, 6 soins quand même, 5 tacles, donc le maximum, et les 7%. C'est vrai que ça fait quand même de beaux items. Hein. Donc celui-là, pour l'équipement rapide, c'est lequel? Je sais même plus. Donc c'est, je pense que c'est celle que j'ai FM. Ah non, c'était les over. D'accord, c'était les over. Donc c'est en fait c'est celui-là maintenant que je vais mettre. Simplement parce qu'il y a beaucoup plus de soins. Donc je vais changer ça. J'ai également un tout petit peu plus de vita. Voilà, et celui-là je vais le revendre. Donc avis aux amateurs. J'ai également plus de sagesse hein, sur celui que je viens d'FM. 45 au lieu de 38. Donc c'est quand même un gain de 8 sagesse. C'est plutôt une très bonne chose. Voilà. Qu'on se le dise. Donc je ferai sûrement d'autres vidéos d'FM dans les prochaines semaines. J'ai encore quelques trucs à FM. Hein, comme quoi par exemple, attendez, je cherche mais dans mes anciens items que j'ai envie d'FM pour revendre. Coiffe du ça, j'ai ça, ceinture du Glour Céleste à FM, le jet est pas terrible, il est pas du tout haut. Alors j'aurais bien voulu mettre un petit jet haut pour la revendre. Sinon j'ai une cape à FM encore là, mais c'est un peu de la merde. Voilà, sinon j'ai quelques trucs qui traînent, mais c'est pas très important. Bref, en tout cas voilà, donc une petite vidéo qui s'achève sur ce succès. Donc voilà, avec un tout petit over, j'y ai pas cru forcément trop à l'over au tout début, parce que ça passait pas, hein. À la fin là, il y a quand même pas mal de choses qui sont pas passées. Bref, donc du coup, mais bon, ça a fini quand même pas passé sur la dernière ravie, donc j'en suis quand même assez content. Voilà. Donc c'était Daika, je déconnecte, à plus!